en présence de Sébastien Garateau pour évoquer les chances de Valco Ginila qui est une fois de plus très bien tenu sa partie dernièrement, quatrième derrière Aubryon et Bold. Ouais, ben Valco super. L'autre jour, ben, Eric a tenté un truc de partir de loin. Il y avait, ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu beaucoup de vent et de l'eau, donc ça l'a peut-être un peu arrêté, mais c'est un cheval qui passe un palier. Il fait partie des meilleurs chevaux d'âge du moment en France. Donc là, il rend 25 mètres là, sur la grande distance. Il y a Bird Parker à battre, Usage Osselin devant, mais je pense qu'il va lutter pour les trois premières places, je pense. C'est un cheval de très dur à l'effort, il peut aller devant, il peut prendre la tête assez tôt. Il démarre, je pense, un tout petit peu mieux que Bird Parker, donc c'est un avantage. Ça permettra peut-être que Bird Parker tourne autour de nous. Après, à droite, il est peut-être moins bien que justement que Bird. Nous, il est peut-être meilleur à gauche. Donc voilà. Mais sur le papier, je pense, en classe pure, ces deux chevaux-là sont au-dessus du lot. Oui, Valco Ginila, les deux seuls chevaux français qui l'ont battu ces derniers mois, ce sont Bold Eagle et Aubryon du Gers. Voilà, ouais, c'est deux top chevaux qui l'ont battu. Donc là, il passe des paliers. C'est un cheval qui va courir le prix d'Amérique avec une chance d'être dans les cinq premiers. Comme c'est un cheval qui démarre bien et il est assez dur. Donc s'il reste dans cette condition-là, il a une première chance fin janvier. Donc là, on n'en est pas là. Première chance mercredi pour être dans les trois premiers, parce qu'il y a Parker à battre et Jules Océan qui est une super jument en tête.